speak about, it seems almost inevitable that there must be some form of private participation in the water sector in Africa. I mean, governments cannot do it alone. But there is a concern out there about the capacity of African governments to negotiate with the right kind of contracts, the right kind of relationships that will serve the people. And I'll start with a very interesting example from our native country, Ghana, where we've had many different private sector companies come in to manage water supply. However, the suburb in Accra where I live for the past 10, 15 years, as long as I can remember, still does not have water, even though you continue to change those who are managing the process. Is it a problem of capacity, as Dr. Sahir pointed out? Or should we have a complete rethink about the way in which private sector companies engage in Africa in managing the water resource? Dr. Kamisu. Écoutez, le problème est à deux faces, comme vous le suggérez. Il y a effectivement un problème, un malaise, une crainte de part et d'autre de la part des pays africains d'être exploités, de la part des investisseurs, un jour ou l'autre d'être spoliés, de vivre dans l'insécurité juridique. Et donc, il est absolument essentiel de sortir de ce malaise qui est maintenant bien connu. Et je crois qu'il faut le traiter par les deux bouts. Je crois que les institutions multilatérales ont certainement un rôle pour aider les pays à former des managers de l'eau au niveau local et au niveau le plus élevé pour en faire des gens qui connaissent suffisamment toutes les questions de droit et de finance autour de l'eau pour être des négociateurs responsables. Mais on n'en est pas tellement loin. Il y a évidemment un effort à poursuivre. Je pense qu'un effort symétrique doit se faire de la part des entreprises qui considèrent l'eau comme un investissement responsable pour, en effet, se comporter dans les pays dans lesquels elles interviennent en prenant une vision à long terme de l'intérêt du pays en sachant, et elles le savent bien, que les investissements dans l'eau sont des investissements très longs qui vont devoir être vécus dans des phases très différentes d'environnement politique dans le pays et par conséquent elles doivent se préparer à ça. Il doit aussi être entendu que, me semble-t-il, que des organismes de contrôle doivent être mis en place, qui soient des organismes suffisamment indépendants pour assurer les deux parties que ça se passera d'une manière civilisée, comme disaient autrefois les soviétiques. Je ne souhaite pas répandre ce type de civilisation dans le monde. Voilà, il est vrai que c'est une question complexe. Il est vrai que le progrès doit être fait. Il est vrai surtout, et là je pense aux gens qui ont une responsabilité médiatique en quelque sorte, que nous devons veiller à exorciser tous les démons qui sont là derrière. Toutes ces campagnes contre les investissements étrangers en matière d'eau, toutes ces campagnes contre les prétendus multinationales qui venaient avec l'ambition de tout privatiser, et tout ceci a fait beaucoup de mal, et tout ceci a certainement retardé le financement d'investissements importants pour répondre aux besoins de l'urbanisation. Je crois qu'il faut faire en sorte que ceci soit de l'histoire passée et que maintenant on se mette à travailler entre gens réalistes et conscients des difficultés. Je suis persuadé que sur ce sujet, mon voisin a des idées beaucoup plus précises que les miennes. As they are, let me push that to Dr. Sahir. You're obviously involved in the negotiations.